Salut à tous, attends. Salut à tous, c'est Kaïsa. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma soeur Adeline Vidéo pour le Not My Arms Challenge. Alors pour ceux qui connaissent pas, le but c'est que je ne me sers pas de mes bras. C'est la personne derrière moi qui s'occupe de mes bras. J'adore me faire des chatouilles à moi-même, désolé. Donc le but ici, ça sera de faire un sandwich. Donc Adeline ne voit rien. Alors les ingrédients, on va vous montrer ce que c'est. Prof. Non, attends, mais je peux pas. Voilà, je pense que c'est bon, je sais pas, je ne me vois pas. Alors, le but c'est de faire un sandwich. Alors, il faut de la salade, des tomates, des cornichons. Excusez-moi, j'ai des pulsions. J'aime bien, les abdos sont très solides. Je disais du pain de mie, de la savoura et du fromage. On va commencer par... Ouf, pardonnez ma vulgarité. On va commencer par faire griller le pain de mie. Alors, on y va. Il faut attraper le grille-pain. Ah, t'es sous mes bras. Alors... Je pense que ça ira. Alors on y va, on met le pain de mie dans le grille-pain. On va mettre la deuxième tranche aussi. Allez, on descend le pain, ça chauffe. 3 ans plus tard. J'en ai marre d'attendre. On va décaler. On va... Non. Ah, c'est chaud. On va décaler le pain de mie un peu sur la gauche, on va mettre le sopalin au centre. Allez. Ça sera plus confortable comme ça. Maintenant on prend le pain de mie. On va commencer par mettre de la savoura dessus. Faut l'ouvrir. Alors. Je vais essayer de pas me poignarder quand même au passage. On va commencer à l'étaler sur le pain de mie. Prendre le pain de mie dans mes mains quand même, ce sera mieux. Ah merde, je m'en fous dessus. On étale, on va reprendre. Mais arrête de tricher. On va reprendre la savoura. Et on tartine le pain de mie de savoura. J'en ai mis bien sur la droite, mais il y en a moins que sur la gauche par contre. Fallait que je le montre à mon dos, excusez-moi. On va passer à l'étape suivante. Par contre, on commence à prendre de la salade maintenant. Un peu brut, excusez-moi. On la coupe en morceaux et on en met un peu partout. Ensuite, on va mettre ma coupe à tomate. Alors, on prend le couteau. Ah, j'ai craché sur le petit chat. Voilà, on va couper en petites tranches fines. Voilà, c'est magnifique. Ensuite, on va prendre les cornichons. Pourquoi c'était une mauvaise idée, les cornichons? On va couper le cornichon sans se couper les doigts, si possible. Voilà. Alors, un cornichon coupé à moitié, comme ça, normal. C'est très bien fait. On dirait qu'on en a vu. Voilà. Et maintenant, ce qui reste, on va l'étaler bien. On en met un petit peu en haut à droite. Mais. Alors, on en met un peu là, voilà. La salade. Maintenant, on va prendre du fromage râpé. Oh, je suis du fromage. Fromage râpé, on va le mettre sur la salade. Bon, ça prend à faire. Ensuite, on va prendre l'autre morceau de pain de mie maintenant. Non, non, non! On le pose bien dessus, comme ça. Voilà! Et c'est un magnifique sandwich! Alors. Excusez-moi, j'ai envie de mettre une claque. Alors, c'était un tuto pour comment faire un sandwich. J'espère que ça vous aura aidé. Bon, c'est du niveau professionnel, mais je pense que ça sera facile à reproduire quand même. Enfin, je penserai au pire. Ne faites pas ça chez vous, en fait. C'est très dangereux. Je sens qu'il me gratte, excusez-moi. On va goûter quand même pour voir si c'est un bon goût, non? On va quand même se mettre au-dessus de la table, on sait jamais, parce que ça semble un peu risqué. Excellent. Il est super bon, franchement. C'est un super tuto, je suis fière de moi. Bon, et bien voilà, mais c'est tout pour mon tuto, hein, sandwich. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà tout le monde, maintenant je vais faire mon sandwich, fait que par moi. Donc là, je vais commencer par griller le pain de mie. Alors voilà, je vais mettre dans mes turades là. C'est pour mettre dans le trou. Voilà. Et tu mets your man are moving. Your hand are moving. And na na na. Oh, le bol sauté. Donc maintenant, je vais prendre les pains de mie qui sont dans le grille pain. C'est chaud, hein, ouais. Donc je vais mettre de la savoura. Donc je vais attraper le pot de savoura. Je prends le couteau sans prendre l'assiette avec. Donc je prends un peu de savoura. Oh putain, la dose. Donc j'étale sur le pépin de mie. Voilà. J'en remets un peu dans le pot. T'en as pas pris. T'en mets un peu sur la droite. L'autre droite. Donc je vais mettre de la salade. Donc je mets les tomates. Donc maintenant je vais en fait la tomate ne servira à rien parce qu'on a déjà pas mal de tomates. Donc maintenant je vais prendre le cornichon et je vais le couper en deux. Ça me coupe un doigt. En deux, je le mets. Voilà. Maintenant je vais mettre un peu de fromage. Donc maintenant je vais mettre l'autre pain de mie qui est sur ta gauche. Donc maintenant j'ai mon sandwich. Je vais le goûter, voir s'il est bon. Bien sûr, quand même, si vous avez mieux, ce soir rien.
très bon sandwich, hein. Donc voilà, tout le monde, mon tuto est terminé pour faire un sandwich. Bah, c'est fini. Bon, et bien voilà, ce tuto pour savoir comment faire un sandwich est terminé. C'était vraiment le désastre, franchement. C'était n'importe quoi. Les sandwichs, eh bien, bon, ils ont une tête assez potable, même si bon, il y a les aliments qui se barrent un petit peu. De toute façon, on va pas les gaspiller, on va les manger ce soir parce qu'en plus, ils sont vraiment bons. Ouais, franchement, ouais. Quelque chose, si vous voulez aller sur la chaîne de ma soeur et vous abonner, cliquez sur sa tête. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.